Salut YouTube, c'est Adrien Exal pour une nouvelle vidéo de combo pour le deck Double Beat. Voilà. Alors je vais vous présenter qu'avec seulement 11 cartes, on peut faire deux combos extrêmement puissants qui peuvent mener à des OTK. Alors on va commencer avec la présentation des cartes qu'il faut pour la première et la deuxième combo. Non, pour la on va commencer avec la première combo. Au début, il faut un Bulman, une Monster Reborn, un renfort de l'armée ou un E. Au choix. Disons qu'on va prendre le E. Un typhon ou un violent orage. On va prendre, disons, violent orage. Et un trou noir. Il faut ça en main au début. On va commencer. On va piocher. On va. Et une autre carte au hasard, n'importe laquelle. Allez, disons. Allez, pour corser un peu plus le truc, une fusion miraculeuse. On invoque Spade Bulman. D'abord, on active Trou Noir et Violent Orage. Avant d'activer, avant de poser les cartes, etc., on active d'abord Trou Noir et Violent Orage. On vide le terrain adverse. Ensuite, on invoque ce Bulman, on active le E Appel de Détresse et on va chercher le Airman qu'on va invoquer normalement. On va activer son effet. On va aller chercher le deuxième Bulman que l'on va invoquer spécialement. Attention, là, il faut suivre à la lettre maintenant. Déjà, depuis le début, il faut suivre à la lettre. On va X6 Airman et un Bulman. On va X6 en premier. Surtout en premier, Excalibur. On enchaîne avec l'effet d'Excalibur. On envoie les deux matériels au cimetière pour passer son attaque à 4000. On active la renaissance du monstre pour récupérer Airman. Réactiver son effet qui permet d'ajouter à sa main un Bulman que l'on va invoquer spécialement. Ensuite, on fait l'X6 des deux Bulman. Pour le ninja armure lame, on active l'effet du ninja armure lame, on machine un machin, on active la fusion miracle, si on l'a, disons, hein, admettons si on l'a pas, c'est pas grave, on a quand même le Herman sur le terrain. Et on a un 0 absolu. Voilà. Donc on a lui, et là on lui balance des OTK, un OTK. Maintenant pour la deuxième combo, qui est beaucoup plus dure, et là il faut vraiment connaître le deck vraiment bien pour pouvoir le jouer correctement. Alors là, il faut les cartes, mais obligatoirement ces 5 cartes en main, enfin ces cartes en main dès le début. Dans les combos, la plupart du temps, on joue le Herman au début. Le Monster Reborn. Cette fois-ci, il faut le E et le renfort de l'armée. Il faut les deux. Sinon, ça va pas être trop possible. Et le trou noir. Non. Et le violent orage, pardon. Il faut obligatoirement ces 5 cartes. Et la fusion miraculeuse. Il faut obligatoirement ces 6 cartes annoncées. Ouais, non, c'est pareil, c'est le ou le E ou le truc. Mais disons qu'on va prendre quand même le renfort de l'armée. Il faut obligatoirement ces 6 cartes. Ces 5 cartes. Plus une au hasard. Donc on fait pareil que tout à l'heure. On pose les 5 cartes. On invoque Spade Bulman. On active le renfort de l'armée. Ah, je sais pas si vous voyez très bien là. Hop. On active le renfort de l'armée. Herman, effet Herman. On ajoute Bulman. Et non, c'est ça, il faut bien les deux. Que je suis bête. Machin. Le E. Quoique, non, 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 c'est bon, pas besoin des deux. Que je suis bête, excusez-moi. On va faire à peu près pareil. Quoique, attendez. Non, si, c'est ça, il faut le. Donc voilà. Tac. Il faut les deux, il faut le E aussi. Voilà. Donc là, on fait double X6. Les deux Bulman pour le Ninja Armure et l'Herman machin pour les druides. X6, enfin effet des deux. On active la Monster Reborn pour ajouter et invoquer Herman. Là, on active Fusion Miraculeuse. Et on bannit les deux Bulman pour invoquer le zéro absolu. Quatre monstres. Voilà. Donc j'ai failli me tromper. Putain, on va que dalle. Vous voyez que dalle là. 4 monstres sur le terrain. Au pire, si vous voyez pas, vous me demandez sur Skype, je vous fais une vidéo détaillée. Voilà. On a 4 monstres sur le terrain. Et tout ça dans le cimetière. Et ces deux cartes la bannies. On a ça dans le cimetière. Et ces deux cartes la bannies. Donc voilà. C'est mes deux combos que j'utilise le plus souvent dans le deck Bubble Beat. Et je pense que tout le monde doit les utiliser, ces combos. Mais je préfère vous le dire.
Voilà. Donc si vous n'avez pas compris, si vous avez vraiment une difficulté, vous me le demandez et voilà.